Tous les inconditionnels du Front Populaire Ivoirien, FPI, vont célébrer ce samedi 30 avril 2022 la liberté à Abengourou. Elianian Ferdinand énonce ce à quoi l'opinion nationale et internationale doit s'attendre. Le vice-président du Front Populaire Ivoirien, Elianian Ferdinand a, au cours d'un entretien, a fait savoir les enjeux de la Fête de la Liberté édition 2022 qui se tiendra à Abengourou. Il explique que cette édition de la célébration de la liberté a deux grands enjeux. Celui de marquer l'existence du parti et le second qui réside en la préparation des joutes électorales à venir. En particulier, les législatives. Le FPI sur la bonne voie sur le premier enjeu de cet événement, Elianian Ferdinand a tenu à faire savoir que le FPI continuera de vivre sans Laurent Gbagbo. Il faut venir confirmer que sans Laurent Gbagbo, le FPI ira plus loin, le premier enjeu, c'est l'existence du parti. Parce que ce qui a été dit c'est que si Laurent Gbagbo quitte le parti, il disparaîtra. Cela s'est avéré faux. Lors du congrès, au parc des sports de Trècheville, nous avons démontré que nous valons mieux que ce à quoi on nous réduisait. Cette fois-ci, il faut venir confirmer que sans Laurent Gbagbo, le FPI ira plus loin, a-t-il martelé. Il révèle même que le parti reçoit beaucoup de soutien. Et même des militants du nouveau parti de Gbagbo. Aujourd'hui, beaucoup de personnes nous approchent pour dire que le FPI ne fait pas fausse route. Des militants du PPACI nous approchent, a-t-il ajouté. Placé sous le thème de la « remobilisation du FPI pour les élections locales et présidentielles », cette fête de la liberté permettra de mieux appréhender les élections locales. Lire aussi congrès de FPI, Albert Mabry Touakouessé et plusieurs autres personnalités aux côtés de Pascal Affine-Guessan. L'autre grand enjeu, c'est évidemment de remettre toutes les fédérations et autres structures en ordre de bataille, parce que, dans 18 mois à venir, ce sera la tenue des élections locales. Après la déconvenue des législatives, il faut attaquer ces élections avec beaucoup plus de détermination pour avoir des élus, a-t-il dit.